c'est l'un des nouveaux rois de la nuit américaine. Et son empire est à ses pieds. Sa ville favorite, c'est en hélicoptère que Sébastien Silvestri la parcourt. Ce Sévenol est directeur général opérationnel d'un groupe de 25 hôtels de luxe, 170 restaurants et boîtes de nuit, dont une dizaine à Las Vegas. Elle est magique de nuit, elle est magique de jour, mais c'est vrai que de nuit, cette ville, quand vous voyez ce qu'on vient de voir, quand vous voyez des panoramas comme les panoramas qu'on a vus, il n'y a qu'une seule ville au monde comme Las Vegas. Donc là, on survole tous nos hôtels, on est passé devant le Bellagio, où on va passer dans un petit peu de temps, on va passer à Hyde, tout à l'heure, notre discothèque. Et là, on voit le Delano, qui est fantastique, avec une vue incroyable. Le défi de Sébastien, ouvrir sans cesse de nouveaux établissements qui marquent les esprits, qui font le buzz. Ce qui est fantastique avec Vegas, c'est que quand il y a quelque chose qui ne marche plus, il recommence. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps des nouveaux hôtels, des nouveaux restos, des nouveaux clubs en permanence. Et regardez, il y a la Tour Eiffel sur votre gauche. Vive à Las Vegas. Las Vegas, 45 millions de visiteurs par an. Une débauche de lumière, de paillettes et de démesure. Au milieu du désert. Sur les 6 km du strip, où s'alignent les casinos mégalomaniaques, les tripots et le jeu ne sont plus les principales sources de revenus. Désormais, spectacles, restaurants et boîtes de nuit grandioses font la différence. Derrière ces néons hypnotiques, beaucoup de Français. Entre strass et stress, il dessine le nouveau visage des nuits de Las Vegas. Le travail de Sébastien Silvestri consiste tout d'abord à choyer ses meilleurs clients, de grosses fortunes. Ce matin, il accueille le jet d'un mania du pétrole californien. Here we go. I'm so happy you guys are here. Nous aussi, on est contents. How was your flight? Super, à peine 40 minutes. À gauche, Bruce, le propriétaire du jet. À droite, George. D'origine libanaise, il a revendu sa société de logiciels médicaux pour 700 millions d'euros. I love your shoes and I love the hats and stuff. You have boots coming for you. On t'a apporté une paire de bottes pour toi aussi. Oh, thank you. I just can't wait to wear them. Toi aussi, tu vas devenir un vrai cow-boy. Allez, montre-nous Las Vegas. George dirige aujourd'hui avec son frère un domaine viticole près de Santa Barbara. Une limousine attend les millionnaires. You take them to Bellagio. Sébastien a organisé le week-end de Bruce de A à Z. I understand. I appreciate it. Okay. Pourquoi il vient? Il vient pour se divertir, il est avec ses amis. Ils veulent aller manger dans nos restaurants, aller dans nos boîtes de nuit, aller jouer au casino. Comment s'appelle-t-il? Bruce Conway. Bruce Conway? Yeah. Accueil réussi, on peut retourner. Hello Cosmo. Son temps, Sébastien le partage entre New York, Miami, les Bahamas, Los Angeles et Las Vegas, où il passe un week-end par mois. C'est non-stop tout le temps, en fait. Jour et nuit, et puis à Vegas, je viens une fois par mois, donc quand je viens, ouais, on est bien, bien occupé. Vegas a changé énormément. Avant, les gens venaient pour jouer. Ici, ils venaient jouer, ils pouvaient aller manger gratuitement dans les restaurants. C'était le monde des buffets, etc., etc. Et maintenant, ça a complètement changé. Vegas, c'est les plus grands spectacles, c'est les plus grands restaurants, c'est les meilleurs DJ au monde, ils jouent tous ici. Donc c'est une destination pour la nuit, pour la restauration et pour les shows. Plus que le casino. Ici, les nouvelles tendances se lancent et se démodent très vite, en 5 ans en moyenne. Le Français est sur le point de racheter 3 restaurants dans la galerie marchande de ce casino. Avant de signer le contrat, il visite les établissements avec son expert comptable et son décorateur d'intérieur. It's kind of weird, huh? What do you do with that? It's like a private room, like semi-private. On pourrait enlever toute cette partie. And then you make it a super VIP table. I like that idea. That would be insane.
Ce deuxième restaurant, sur le thème de Lénine et de la révolution bolchévique, est dépassé selon Sébastien. Oh, we go like that. Il veut en faire un restaurant lounge design, épuré et feutré, moins kitsch, plus sobre. Il y a 12 ans, c'était cool, mais maintenant, c'est plus cool. Donc ça, c'est des restaurants qui peuvent faire 12 millions de chiffres d'affaires par an. Donc l'investissement, là, on est en train de regarder sans doute 3-4 millions de dollars il faudrait dépenser pour le refaire. Mais si le restaurant marche bien, le payback, le retour sur l'investissement est assez rapide. Et j'ai une idée, on a une marque à Los Angeles qui cartonne et j'ai envie de l'amener à Vegas. Et je pense que ça, ça peut être l'emplacement parfait. Le tout dernier concept du français est encore plus innovant. Une boîte de nuit dans le stade de Las Vegas, là où joue son équipe de hockey, les Golden Knights. How many people were we expecting? 800 personnes. Toutes les tables sont réservées. Everything was sold out. Les Golden Knights vont jouer, donc c'est complètement rempli. Et les gens qui ont des tickets VIP, ils ont l'accès au club. Donc ils viennent pour voir l'événement, mais ils peuvent venir aussi après l'événement. Et puis c'est la fête. Ici, dans une grosse soirée, on peut faire plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires en une soirée. L'abonnement VIP à cette discothèque dans le stade coûte 50 000 dollars l'année. Sébastien est à la tête d'une équipe de plus de 1000 employés. Pourtant, il est parti de presque rien. Après un bac pro, puis un BTS d'hôtellerie à Montpellier, il démarre sa carrière à Paris, dans un hôtel d'une grande chaîne. Avant d'être repéré par un chasseur de tête, il y a 13 ans. Mon premier boulot à Vegas était au Bellagio. J'étais directeur de restaurant. Je me rappellerai toujours quand je suis venu pour passer l'entretien d'embauche. C'était la première fois que je venais à Vegas. Je suis arrivé de nuit en avion, il y avait toutes les lumières. Déjà, je venais du sud de la France, je n'avais jamais voyagé. Donc effectivement, c'était assez facile pour me convaincre à déménager ici. Ouais. À Las Vegas, son ascension est fulgurante. Sébastien dirige pendant 10 ans les 30 restaurants du Venetian, ce célèbre hôtel casino. Avant d'être recruté à la tête d'un groupe encore plus imposant. Aujourd'hui installé à Beverly Hills, avec sa femme américaine et leurs deux filles, se passionné de sport et de voitures de luxe, côtoie grands chefs et célébrités comme Pamela Anderson, Miss Univers ou encore Mike Tyson. Un célèbre magazine vient de le désigner parmi les 55 personnalités les plus influentes du monde de la nuit. The boys are here. Le Frenchie fait en sorte que ses clients vivent des expériences hors normes. Pour cette dégustation des grands crus produits par Georges, l'homme d'affaires d'origine libanaise, il a mis à leur disposition ce lounge VIP. Look at this, like in Paris. Magnifique, hein? À quelques mètres de la table, les 1000 fontaines musicales du Bellagio, le palace du film Ocean Eleven. Elle danse sur 28 musiques différentes. Un spectacle qui en met plein les yeux aux millionnaires, qui en ont pourtant vu d'autres. Je crois vraiment que Las Vegas, il n'y a rien comme ça au monde. C'est un jardin d'enfants pour les adultes. Il y a tout. Donc ça fait plaisir de venir ici pendant 2 ou 3 jours. On fait la fête, on boit du vin, on fait de la dégustation de... d'une gastronomie assez élevée, et puis on retourne chez soi. Et voilà. Santé. Santé. Pour l'amour. Pour l'amour. Vive l'amour. C'est nous. L'amour et la bonne chère. James Bond et Andy Warhol. Las Vegas compte de plus en plus de restaurants étoilés au Michelin, 12 désormais, comme celui d'Alain Ducasse, au dernier étage de l'hôtel de Sébastien. Ce soir, c'est le français qui régale. Alors ses clients millionnaires lui offrent le petit cadeau promis à l'atterrissage du jet. Bruce, come here. Cowboy Sebastian. Authentique. Maintenant, je suis un vrai cowboy américain. All right. Thank you. All right, thank buddy. Les clients sont là pour profiter de chaque plaisir épicurien. Sébastien, lui, continue à l'eau.
le secret de la réussite dans le monde de la nuit, c'est d'être sage, discipliné. Oui, mais comme dans tous les métiers, je pense. Il faut être très discipliné, il faut travailler dur, il faut avoir un bon code de conduite, il faut être réglo, etc. Donc c'est, je pense que c'est la même chose que dans tous les autres corps de métier. Autour de la table, d'autres Français, comme Romain Thiévin, pilote automobile, installé à Las Vegas depuis 9 ans. Je pense que les Français ont aussi un petit truc supplémentaire, c'est qu'on a tellement l'habitude de se mettre la pression en France pour réussir. Il y a beaucoup de concurrence, que ce soit dans la restauration en France, où tous les restaurants sont très bons en France. Et quand ils arrivent ici aux États-Unis, les Français sont vraiment un step au-dessus. Le Grand Las Vegas compte 20 000 Français sur 2 millions d'habitants. Ils vivent dans des lotissements pavillonnaires, semblables à ceux d'autres grandes villes américaines. C'est l'heure du petit déjeuner chez un autre Sébastien. Sébastien Polycarpe, chef pâtissier dans un palace. Il vit ici avec sa femme Émilie et leurs deux enfants, de 6 et 1 an. Quand on a la famille qui vient, c'est à ce moment-là qu'on va sur le strip, en fait. Qu'on va dans... Il faut leur montrer tous les casinos. Oui, parce que là, partout, il y a les lumières et l'action, on n'y va pas. Si on va dans un casino, c'est pour aller à l'aquarium pour les enfants ou pour aller les voir au travail, pour accéder à un magasin, mais c'est pas... C'est la vie comme partout, hein. Il y a des parcs pour enfants, et des magasins, enfin, c'est après... Ouais, c'est pareil. Hein. Émilie n'a pas encore la carte verte pour travailler. Mais le coût de la vie ici n'est pas trop élevé. La famille loue ses 100 mètres carrés, 600 euros par mois. Le couple vivait auparavant sur la Côte d'Azur. Sébastien a fait ses classes dans les cuisines de tables gastronomiques étoilées. La Réserve de Beaulieu, le Louis XV à Monaco, la Pinette de Saint-Tropez. C'est Guy Savoie qui possède une adresse à Las Vegas, qu'il a ensuite démarché. Et convaincu de s'expatrier. 7h30, il dépose son fils à l'école. Ce qui l'a attiré à Las Vegas, c'est un salaire de 8000 euros, sur lesquels il ne paye que la taxe fédérale, car le Nevada n'applique pas d'impôt sur le revenu. L'ex-petit gars du Sud travaille au cœur du casino iconique de Las Vegas. Le César Palace, ouvert en 1966. 35 000 hectares de marbre à la gloire de la Rome antique. 5 tours et pas moins de 20 restaurants. C'est par les coulisses que Sébastien pénètre dans les entrailles du monstre. Dans les immenses cuisines, 55 employés. Sébastien dirige le département pâtisserie et ne compte pas ses heures, jusqu'à 70 par semaine. Hello. James. Elle pèse combien cette motte de beurre? Presque 10 kilos. Ici, les quantités donnent le vertige. Là, on a environ 700-740 crème brûlée. Et ça, c'est ce qui va être servi juste pour aujourd'hui au buffet. Et plus de 1000 fraises nappées de chocolat au lait. Il y a tant à concocter que le chef met lui-même la main à la pâte. Bonjour, mon chef. Bonjour, mon chef. Ça va mieux, toi? How are you, grandpa? Oh, I'm okay. Les recettes de cuisine sont américaines. Mais c'est le savoir-faire français en matière de restauration que les palaces sont prêts à payer cher, y compris pour régaler les stars. Si vous voyez tous les gâteaux qu'elle a fait pour Elton John, Jennifer Lopez, tout ça, c'est elle. Sébastien a eu un choc lorsqu'il a découvert le Bacchanal, qui porte bien son nom. Ouvert 24 heures sur 24, élu meilleur buffet au monde par le New York Times. 500 plats à volonté, dont du bœuf wagyu et du homard, pour 40 dollars par personne. 230 tonnes de crabes par an, c'est 200 kilos de j'ai un trou shrimp, c'est
de crevettes par jour. 200. Tu parles anglais maintenant? Ah ouais. Non, des fois j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. Sébastien sert jusqu'à 12 000 personnes par jour. Lesquelles sont sans sel et sans crème? This one is heavy cream, this one too. This no. This no. Le pâtissier vise haut et rêve de diriger un jour tout le département restauration d'un palace. Quand on arrive à avoir un poste dans ces grandes entreprises, avec toute la mentalité américaine de corporation, ils vous poussent à aller plus haut, plus haut, plus haut. Donc j'ai pas de limite, non. Je peux, si je m'en donne les moyens, je peux y aller. Celui à qui il faut faire bonne impression, c'est le grand patron du César Palace et des 5500 employés, Gary Selesner. 14 ans qu'il est à la tête de cet hôtel casino qui a servi de décor à de nombreuses productions de Hollywood. Vous vous souvenez dans le film Very Bad Trip de cette célèbre scène. Lorsque les quatre personnages du film s'enregistrent à la réception du César Palace, et l'un d'entre eux demande à la réceptionniste, « C'est vrai que César a habité ici ?»« Comment ça va aujourd'hui ?»« C'est bon de vous voir. » »« Oui, vous aussi. Je ne dirai pas non à une deuxième tasse de café. »« Quand vous voulez. » Le jeu représentait il y a 20 ans 80% des recettes de l'établissement. Seulement 40% aujourd'hui. Après la crise financière de 2008, Gary a dû élargir l'offre de son palace. C'est lui qui a inventé le principe des stars en résidence permanente. Rod Stewart, Calvin Harris ou Céline Dion. Des contrats juteux pour les vedettes, mais de mirobolants profits pour le César Palace. 600 millions de dollars grâce à la diva québécoise qui donnera en juin sa dernière représentation. Gary a aussi trouvé comment faire dépenser plus aux clients. Ici, ça peut grimper jusqu'à 25 000 dollars la nuit. Mais lorsque j'aurai ouvert la porte de la villa anglaise, vous allez comprendre pourquoi. Comment ça va? Un majordome en poste 24 heures sur 24 et bien plus immense que des suites. Des villas entières, au cœur du palace. Meublées d'antiquités pompeuses. Cette villa mesure 1100 mètres carrés. 4 chambres. On a fait une immense salle à manger avec billard, bar. Et il y a aussi une salle de home cinéma, avec fauteuil de massage. Jacuzzi en marbre rose et piscine privée. Autrefois, les chambres de Las Vegas étaient bradées pour que leurs occupants dépensent tout au jeu. La stratégie a changé. La clientèle ultra-fortunée de Chine ou des pays du Golfe peut s'offrir plusieurs nuits dans ses résidences que César n'aurait pas reniées. Vincent Brunet, lui, préfère le cuir au gladiateur romain. Hey Hugo, how do you do? Il possédait une entreprise de chauffeurs privés à Paris. Ici, il a aménagé un discobus, une boîte de nuit roulante. Alors, c'est un 40e anniversaire, Happy 40th birthday runway. Voilà, donc bon, quelque chose de très classique, hein. 80 compagnies, avec une flotte de 300 bus boîtes de nuit, opèrent à Vegas. Nulle part au monde la demande de fête n'est aussi forte. Depuis 4 ans, Vincent est le seul à faire le DJ en live. Moi, je suis dans une industrie qui est régulée, à savoir le transport. Donc, il faut avoir des licences, il faut avoir des autorisations, des assurances, parce qu'on est aux États-Unis, donc ici, les assurances sont très importantes. Après, c'est comme tout, ça se fait. Voilà, si on est passionné, si on sait ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il lui a fallu un an et demi et 130 000 euros d'économie pour monter son business. Pour 2 heures, sa boîte de nuit roulante est facturée 570 dollars. On va juste passer un petit coup de téléphone aux clients pour leur dire qu'on est bien en place. Hey Lydia, good evening, this is Vincent from Discobus. How do you do tonight? Okay, great. So just so you know that we are actually at the bus lobby of the hotel, okay?
Les 40 clients arrivent avec les ballons. Hello. Hi guys, how do you do tonight? Et leur propre boisson, car le bus n'a pas de licence d'alcool. Hey René, how do you do? Good, good. Happy birthday, buddy. Les clients viennent de Californie, juste pour le week-end. Vincent a ses petits secrets pour que l'ambiance se réchauffe très vite. Il faut arriver à deviner, se positionner sur les gros hits de l'année où ils avaient 20 ans, et généralement, on arrive à les faire danser. Au milieu de la balade, un stop devant le mythique panneau « Bienvenue à Las Vegas ». On est venu pour jouer et se divertir. C'est ça, Las Vegas. Vincent effectue chaque soir 2 à 5 sorties. En plus de son chauffeur, il emploie une barmaid et parvient à se payer entre 6 000 et 8 000 euros par mois. Pour 300 000 euros, il vient d'acheter cette villa de 170 mètres carrés, où il a emménagé avec Coralie, sa compagne. Parce que tu vois, il y a le petit endroit où on voit le merveilleux verre qu'on avait avant. Autrefois responsable marketing dans l'électroménager, à Vegas, elle s'est reconvertie dans l'organisation de mariage. Je pense qu'on sera de retour en ville à peu près vers 2 heures. Coralie et Vincent se croisent peu. Tous deux travaillent beaucoup et ne prennent pas de vacances. Mais selon eux, ils n'auraient jamais eu ces opportunités en France. Il y a un peu plus d'ouverture d'esprit qui font que, voilà, aujourd'hui, on peut être coiffeur, demain, on peut faire un autre métier si on a envie. Enfin, voilà, à partir du moment où on a les licences, les assurances, qu'on montre qu'on est bon dans son travail, qu'on a envie de bien faire, il n'y a pas de raison. Voilà, on n'est pas... En fait, aux États-Unis, on n'est pas cloisonné dans des choses. Voilà, c'est la liberté d'entreprendre. À Las Vegas, il faut toujours avoir un coup d'avance. Vincent a donc créé une deuxième activité, à 30 minutes de la ville, dans le désert. Décor Far West, les bikers en prime. C'est l'expérience d'une vie, quoi. J'ai beau accompagner mes clients plusieurs fois par semaine. Moi j'ai toujours autant les yeux qui brillent. C'est limite un rêve de gosse, quoi. Ce matin-là, il accueille 3 clients, Dan, Daniel et James, des Américains. L'expérience qu'il leur propose, tirer à balles réelles, avec des revolvers ou des kalachnikovs. So we're gonna talk about safety. Safety is the most important thing today, okay? We're gonna use some firearms today, so you could be hurt, you could be dead. I don't want that, okay? Là, on est sur une activité qui intéresse pas mal les gens parce que c'est un peu sulfureux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça chez eux. Même des Américains, on peut le voir, parce que tous les groupes qu'on a ce matin sont tous des Américains. Oui. On est vraiment sur la nouvelle tendance du moment. Les participants ont payé chacun 160 euros pour une matinée de tir suivie d'un barbecue dans un ranch. I've never... C'est la première fois que je touche une arme ou une balle. On vient de New York. Chez nous, ça n'est pas facile de trouver un endroit isolé où utiliser des armes. Donc, quand on a vu cette activité, on s'est dit, il faut aller essayer ça. Don't forget your body position because you are still a little bit, you know, like that. So, just imagine an ex, a mother by the law, whatever you want. I'm pretty sure that it's going to be helpful for you. Tu peux marcher et tirer là? Yes, sir. Whoa! Oh my God, c'était incroyable de marcher, de tirer en même temps. Génial. Vincent prépare déjà l'ouverture d'un parcours de tir de nuit. Dans une ville où l'offre de loisirs est pléthorique, c'est la course à la surenchère des sensations. Pendant ce temps-là, Sébastien Silvestri attend sa grande soirée du samedi.
pas de grand nom de Hollywood présent à Vegas ce week-end. Pour faire parler de l'endroit, il a jeté son dévolu sur Sheena Mary, top modèle et starlette de Beverly Hills. Je viens d'updater tout sur ma story, ce qui se passe. Et dès qu'on a Sheena sur le red carpet qui arrive, on va massacrer les photos, on va poster tout ça sur Instagram et puis également sur le mien. C'était la semaine dernière dans les Bahamas. Avec Bob Sinclair, DJ français star. C'est un retour immédiat en fait. Même la presse, ils vont récupérer les photos tout de suite. Après, c'est la guerre à celui qui va servir les photos le premier. Donc c'est bien. I'll get a couple of pictures with you. You make me look better. I mean, I'm pretty tall, but I like it. Fantastic. La vedette de télé-réalité se prête de bonne grâce au jeu du red carpet. Sébastien lui a prévu un accueil personnalisé. Ce soir-là, les 38 tables VIP ont été vendues. Pour s'y asseoir, il faut s'engager à dépenser au moins 10 000 dollars en boissons. À ce prix-là, le service est assuré par des hôtesses sexy et délurées. Are we under attack? Chaque fois que vous voyez les grosses bouteilles circuler dans le club, c'est des très bonnes choses. Ça coûte combien de bouteilles comme ça? 2 000, 3 000 dollars. Happy birthday, Kayla! Une clientèle dorée, insouciante, apparemment loin des crises sociales qui secouent la planète. Las Vegas a engrangé en 2018 20 milliards de chiffres d'affaires.